île Saint-Denis, c'est ici, au nord de Paris, que l'Afrique a posé ses valises pour les JO 2024. Cette commune de 8500 habitants, posée sur une langue de terre au milieu de la Seine, est devenue, le temps des Jeux Olympiques, le cœur battant de l'Afrique. Son maire, d'origine sénégalaise, y a créé un village africain éphémère, la Station Afrique, avec pour objectif de promouvoir les valeurs et les cultures d'Afrique durant les Jeux. Cette idée, elle m'est venue il y a un peu plus de 2 ans, quand on a commencé à avoir des délégations étrangères qui sont venues nous voir pour vouloir s'installer sur notre commune pendant les Jeux. Je me suis dit, j'aimerais pouvoir valoriser le continent africain. Est né le projet de la Station Afrique qui est de rassembler à un même endroit l'ensemble des pays qui participent aux Jeux pour célébrer leurs athlètes, leurs artistes, leur culture et leur peuple. Exactement, c'est ce qu'on vit tous les jours ici. Sur la ville de l'île Saint-Denis, j'accueille le village des athlètes sur une partie de ma commune, mais également 2 sites d'entraînement. J'ai un site d'entraînement olympique de gymnastique rythmique et d'athlétisme. Et j'accueille également en site d'entraînement l'équipe de France de basket féminine et l'équipe de France de hand. Donc votre ville, elle est devenue olympique par la force des choses et par la force de l'organisation? C'est bien cela. Ma ville du nord au sud, on a voulu avoir un lieu de célébration pour la population. Et donc on a signé un premier partenariat avec l'association des comités nationaux olympiques africains, donc la CNOA, qui a pour objectif de soutenir les comités nationaux olympiques des différents pays d'Afrique pour ces Jeux. Et de faire venir les athlètes ici à Station Afrique. Et ensuite, on y a associé les ambassades des pays africains qui sont ici en France, avec leurs associations de diaspora, avec un seul message, unité de l'Afrique. Plusieurs pays du continent ont installé des stands autour d'une place centrale et d'une scène. La Côte d'Ivoire a proposé ses atouts artisanaux, sa destination et la chaleur de son peuple. Nous avons tous constaté l'engouement qu'a suscité la CAN en Côte d'Ivoire, mais surtout le nombre de visiteurs que nous avons reçus à la faveur du football. Aussi, aux côtés du ministère des Sports, nous avons voulu profiter de ce très bel engouement suscité par les Jeux Olympiques de Paris pour organiser la promotion touristique autour de la Côte d'Ivoire, gastronomique, culturelle et artisanale également. C'est une très bonne opportunité, eu égard au nombre de personnes qui regardent ces compétitions, mais surtout avec la participation de l'équipe ivoirienne, l'occasion était bonne pour nous de refaire une bonne opération de communication sur la destination Côte d'Ivoire. En cela, on a voulu allier le sport et le tourisme. De fait, quand vous venez sur notre stand, vous avez la possibilité de trouver des activités qui sont liées au sport. La Guinée s'est aussi montrée très active avec une soirée artistique qui a vu se produire Black M et Jupiter. Les Magic System et Tamsir avaient ouvert la série de concerts. Le pays des hommes de la Teranga est essentiellement venu pour promouvoir son projet intitulé Jeux Olympiques de la Jeunesse qu'il entend organiser en 2026. Nous sommes là parce que déjà le Sénégal accueille les Jeux Olympiques 2026 de la jeunesse, bien sûr. Et on pense qu'il ne pouvait pas y avoir meilleure occasion ou opportunité de faire du benchmarking que de venir déjà participer à ces Jeux-là. Et également de voir comment la ville Saint-Denis s'est organisée pour accueillir ces Jeux. C'est plus fort, d'autant plus que nous avons été séduits par la Station Afrique déjà, où on retrouve des compatriotes, mais également pas que des compatriotes. On retrouve toute la communauté à la fois française, africaine et d'autres. Et donc c'est l'occasion d'échanger sur plusieurs thématiques qui vont concerner l'organisation des Jeux Olympiques de Dakar. Vous savez, le sport est devenu un trait d'union entre les peuples, un trait d'union entre les communautés. Et c'est donc une formidable opportunité de réconcilier les personnes. Et il n'y a pas que le sport, c'est toute cette sociabilité autour du sport, c'est toute cette dimension culturelle qui est autour du sport. Et l'animation autour du sport fait qu'aujourd'hui, le sport reste le moteur même de cette animation-là, donc de cette socialisation, de cette vie en commun, de ces communions, des moments forts que les gens partagent. Et ne serait-ce que quand, même en pratiquant du sport, quand quelqu'un gagne, vous voyez l'exubérance qu'il y a, vous voyez tous les efforts que les gens mènent pour montrer, n'est-ce pas, cette satisfaction. C'est donc une décharge d'adrénaline, c'est vrai, mais également c'est une belle opportunité
pour communier, vivre des moments intenses avec les autres. À l'île Saint-Denis, grands et petits profitent à leur manière de la fête mondiale que représentent les Jeux Olympiques.